Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Brigitte Macron a-t-elle voulu transformer la flèche de Notre-Dame en un phallus géant Avant de répondre à cette question, je voulais remercier tous ceux qui permettent à cette chaîne de vivre hein, avec les dons. Merci à Floa, merci aux Darwiniens pour vos super sens. Et puis je tenais aussi à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire de gentils messages. Sachez que c'est un véritable privilège de dialoguer avec vous, même si je suis un peu submergé par le nombre, bien évidemment. Merci encore. Lorsqu'on fait sa revue de presse matinale et qu'on tombe sur ce genre de titre, hein, Brigitte Macron a voulu poser un énorme sexe sur la reconstruction de Notre-Dame, on se dit qu'on a été victime d'un plaisantin ou d'un article détourné du Gorafi. Et puis on vérifie, et là on s'aperçoit que la source est de poids, sans faire de mauvais jeu de mots, puisqu'il s'agit d'une affirmation eh bien, de Roselyne Bachelot dans son dernier ouvrage où elle relate son expérience de ministre de la Culture, rue de Valois. Alors on va aller directement au passage où elle affirme ce genre de choses. Lisons. Je n'oublie pas la première réunion, donc c'est le jeu de Roselyne Bachelot. Je n'oublie pas la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine où j'affirme dès le 9 juillet que la flèche de Notre-Dame doit être construite à l'identique pour respecter la convention de Venise. Quand je rentre de Valois, le cabinet est en stress. L'Élysée rêve d'un geste architectural et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Bon, ce ne sera pas la dernière fois. Je ne regrette pas cette insubordination quand, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules d'or. Alors, il n'y a pas de doute sur l'intention. Je vais écarter la première hypothèse que je vois déjà apparaître sur Twitter pour défendre le couple présidentiel. Ce ne serait que du mauvais goût en quelque sorte. Oui, ce mauvais goût de parvenu, de petit bourgeois parvenu d'Amiens. Hein, que l'on a vu à l'œuvre, notamment dans la restauration de l'Elysée, du salon Napoléon III ou du salon de Pompadour, hein, saccagé par des œuvres modernes hideuses. Non, il ne s'agit pas de cela, pour une raison simple, il s'agit d'un édifice religieux, un édifice sacré. Et la deuxième hypothèse, c'est que Emmanuel Macron et Brigitte n'auraient peut-être pas suffisamment pensé au symbole. Brigitte Macron est professeure de lettres, elle a travaillé sur l'amour courtois, elle s'est revendiquée pendant un temps comme catholique non pratiquante, elle connaît bien le sens des choses. Donc il y a une intention, si elle est catholique, cela s'appelle un blasphème, ni plus ni moins. La thèse qui paraît maintenant la plus probable, c'est qu'on a affaire vraiment à une forme de perversion, de saccage d'un monument qui est considéré comme l'âme de la France. Après le, le budget. La presse de 666, hein, qui a quand même une connotation satanique, poser un sexe d'or sur un édifice religieux consacré à la Vierge avec l'Immaculée Conception ou la notion de virginité de Marie, il y a bien une volonté blasphématoire de souillure. Nous avons affaire à de grands malades. Je pense à François Asselineau qui demandait qu'on surveille la santé mentale du président. Eh bien, monsieur Asselineau, vous avez encore. Des preuves, des éléments à votre thèse avec cette histoire. À côté de cela, il y a une lecture politique. On a bien compris que Roselyne Bachelot règle ses comptes avec le couple présidentiel. On ne peut pas écrire ce genre de choses sans, sans penser que ça va faire le buzz, hein, que tout le monde va en parler. À un moment donné, où Emmanuel se retrouve, et notre Emmanuel Macron se trouve dans une situation bien délicate avec la, la réforme des retraites, avec l'augmentation du prix de l'énergie. Manifestement, Roselyne Bachelot participe au Macron bashing, car elle rallume toute une série de dossiers qu'Emmanuel Macron a essayé de refermer. Le premier dossier, c'est la perversité de ce couple. Brigitte Macron est sortie avec un de ses élèves alors qu'elle était professeure de théâtre. Son fils née à un an de plus qu'Emmanuel Macron. Elle avait une fille dans la classe d'Emmanuel Macron. Cela donne une idée du schéma mental de cette femme. Ensuite, et je vous vois là de suite, là. je vous vois vous pensez à Jean-Michel Trognon parce que pour penser à un énorme sexe d'or posé sur une cathédrale, il faut être un peu bizarre. Voilà. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans ce genre euh, de choses, mais on a bien compris. Que Roselyne Bachelot avait décidé de porter un coup sévère au couple présidentiel, et elle envoie un message j'ai servi un couple de pervers. Alors, ce message, il faudrait qu'il soit entendu aujourd'hui par de nombreux ministres d'Emmanuel Macron, et je pense à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, on se demande s'il sait encore compter. Alors, on va revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a toute une série de personnages politiques qui avaient averti Bruno Le Maire que la situation allait devenir catastrophique à l'automne, et je pense notamment à Éric Zemmour lors d'un débat. Il y a bientôt un an, Éric Zemmour alertait déjà sur la situation énergétique catastrophique de la France. Plusieurs mois avant tout le monde, il était le seul à expliquer clairement les raisons de la crise sur l'électricité que nous vivons aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il n'y avait pas qu'Éric Zemmour qui avait prévenu. Bien évidemment, tous les leaders patriotes, euh, je pense à François Seynaud, Florian Philippot, euh, Nicolas Dupond-Aignan, avaient averti des dangers de cette guerre en Ukraine et des risques justement du couplage du prix du gaz et de l'électricité. On se souvient également de Marine Le Pen hein, qui avait prévenu. Alors, pourquoi les leaders patriotes connaissaient-ils. En quelque sorte, l'avenir. Pourquoi n'ont-ils pas été écoutés bon, bah Parce qu'ils sont des leaders patriotes et qu'à chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils sont combattus par la presse aux ordres. Vous le savez bien. Mais pourquoi avait-il le scénario en main bah, Pour une raison simple, c'est que cela faisait des années que les principaux responsables de l'énergie, je pense, de DF, de GDF, expliquaient que les investissements dans l'éolien et le solaire et la fermeture de centrales nucléaires allaient conduire à cette catastrophe. Et ceux qui connaissent bien la réalité du marché européen de l'électricité avaient vu euh, ce couplage de l'électricité et, et du gaz et ils savaient que ça allait engendrer une catastrophe. D'ailleurs, le gouvernement n'a pas fait grand chose malgré les avertissements. Et on a par exemple le souvenir du président euh, de l'EDF. Jean-Bernard Lévy, qui avait critiqué la décision de, du gouvernement. Après l'avoir beaucoup combattue, nous vivons cette décision comme un véritable choc, puisqu'ils vont vendre à un prix rédit jusqu'à 40% de leur production électrique, euh, et qui, évidemment, ça allait faire perdre à EDF des milliards d'euros d'exploitation. Beaucoup d'entre vous m'ont fait part de leur soutien, voire de leur indignation, et je partage votre émotion. Vous imaginez que... EDF produit de l'électricité à 42 euros, et lorsqu'elle est obligée d'en importer, elle le paye à 357 euros, puisque c'est couplé sur le prix du gaz. Nous marchons sur la tête. Face à cela, on demande évidemment à la France de sortir de ce système, mais le gouvernement ne veut absolument pas. Quelles sont les raisons D'abord, ben parce qu'ils se sont soumis à Bruxelles et à l'Allemagne, ça c'est la première chose. Mais il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans leur attitude. Ils savent très bien qu'il y a un projet européen qui s'appelle Hercule de démantèlement de l'EDF. C'est-à-dire ce qui nous protège encore un tout petit peu bah, va être détruit par l'Europe au nom du libre-échange pour évidemment engraisser, nourrir toutes les multinationales américaines. Donc le gouvernement, évidemment, est au service des intérêts étrangers et non pas de son pays. Malgré tout, ils sont obligés de bouger ou tout au moins de communiquer. Quand on leur dit attention, le prix du gaz, ça va être une catastrophe. Eh bien Bruno Le Maire arrive sur les écrans et nous dit il y a une urgence absolue à découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Ah oui, il y a une urgence absolue. Et eh bien cinq mois plus tard, six mois plus tard, il ne sait strictement pas, il ne sait rien passer. Ils se sont soumis, ils se sont soumis aux autorités européennes. Alors, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Parce que le gouvernement, aujourd'hui, nous dit nous allons aider les artisans, nous allons aider les boulangers, nous allons aider les restaurateurs. Et là, la question que l'on peut se poser est-ce que Bruno Le Maire sait compter Est-ce que Bruno Le Maire ne se moque pas de nous tout, un, tout au moins, il, il a des, des problèmes. Hein. Nous savons qu'il nous avait promis la faillite de la Russie et on n'a jamais vu un excédent pareil plus de 220 milliards. Alors, on va regarder un petit peu les mesures qu'il a décidé de prendre. Il va par exemple faire une remise de 20% sur la facture énergétique de tous ses artisans. Prenons une situation de base. Un artisan paye 10 000 euros annuels d'électricité. Nous avons vu hier que cela pouvait monter jusqu'à 22 fois la facture originelle, c'est-à-dire 220 000 euros. On ne va pas prendre un chiffre comme celui-là, on va juste faire une facture qui a augmenté de 10 fois. C'est-à-dire de 10 000 euros, elle passe à 100 000 euros. Bruno Le Maire propose 20, 20% donc 20 de remise sur cette facture. Eh bien, il reste 80 000 euros à cet artisan de payer. Autrement dit, il ne pourra pas faire face. Ces mesures ne servent à rien. C'est un soin palliatif pour faire croire que le gouvernement agit en faveur des petites et moyennes entreprises, en faveur des boulangers, des restaurateurs. C'est une arnaque. Cette mesure va peut-être, pour certains, permettre la mort un peu plus tard. C'est-à-dire une agonie lente, hein, et comme ils disparaîtront petit à petit, on ne parlera plus d'eux. Cette mesure va coûter 12 milliards, 12 milliards en contribuables, c'est-à-dire à nos impôts. Nous finançons la mort programmée des petites et moyennes entreprises et Bruno Le Maire présente cela comme une mesure salvatrice. Il se moque de nous, Bruno. Enfin, il se moque de nous. Ça fait longtemps qu'il se moque bien de nous, Bruno Le Maire. Mais pour, évidemment, euh, faire ce genre de mesure, il faut des collaborateurs. Pourquoi euh, il n'y a pas de mouvements sociaux pour lutter Contre le gouvernement bah, Nous le savons. C'est qu'une grande partie des syndicalistes sont achetés, dans une certaine mesure, par le World Economic Forum. Et nous en avons un qui est quand même un sacré client, c'est Manigold. Regardons-le. Il vient pleurer aujourd'hui. Pouyanné, aujourd'hui, moi j'ai honte. J'ai honte, c'est pourquoi Parce que j'ai défendu Total Energy et les superprofits ici. Je les ai défendus. Et moi j'étais dans, dans, dans Les mecs se font massacrer. Alors, Pouyanné, arrête de te gaver et laisse les artisans travailler. C'est un salopard, vraiment. Je pas d'autres termes. Et qui viennent avec moi, qui viennent faire la tournée. Je, parle. je suis ah. désolé. Alors, je pense que Bruno Manigold est sincère dans ses larmes hein, parce qu'il doit avoir tous les encartés de son, de son syndicat qui doivent l'appeler et le pas le menacer, mais enfin le, le bouger un petit peu. Mais si Manigold, au lieu de poser avec Marlene Schiappa, avait véritablement fait son métier de syndicaliste, c'est-à-dire s'opposer au gouvernement. Souvenons-nous, lorsque le gouvernement a promis des aides qu'aujourd'hui les restaurateurs sont obligés de rembourser, auxquelles il faut ajouter l'inflation sur les denrées alimentaires, plus la facture énergétique, si ces restaurateurs avaient bougé, eh bien, il n'en serait pas là. Et le principal responsable de leur inertie, c'est Manigold. Je comprends qu'il soit très mal, Bruno Manigold, en ce moment. Il est, dans une certaine mesure, responsable de la situation. Alors, on va faire un petit peu le bilan de la communication de ce gouvernement. D'un côté, il nous explique qu'il va donner des aides, mais on sait que ces aides, elles ne servent à rien, elles servent qu'à accompagner la mort des petits commerces. Et puis de l'autre côté, il faut jouer les syndicalistes qui pointent du doigt Total Energy. Alors que Total Energy est une responsabilité, sans nul doute. Mais Total Energy a la légalité. Pour lui, c'est une société euh, qui agit dans le cadre européen. Et donc, on ne peut pas accuser Total Energy, mais ceux qui ont fait ce genre de législation, c'est le gouvernement, c'est l'Union européenne. Ce que fait Manigold, nous connaissons cela, ce n'est que de la diversion. Car la réalité, bah, nous la connaissons hein, de plus en plus bah, des... face à la crise énergétique. J'ai eu le droit à zéro aide parce que certains n'ont pas le droit à des aides et les boulangers, les restaurateurs sont en train de mettre la clé sur la porte. Alors, le seul moyen, évidemment, c'est de s'unir et puis de faire en sorte euh, d'aller manifester. Je pense à Youssi Findi qui nous a envoyé un. un, un un tweet qui est assez intéressant. La macronie va regretter les gilets jaunes. C'était une partie de plaisir comparée à ce qui vient. Les syndicats et les réseaux d'extrême gauche n'auront aucune prise sur le prochain mouvement car il impliquera des patrons et des artisans. Le réveil du Kraken, la seule façon en effet de pour les artisans de s'en sortir, c'est évidemment de se faire entendre. Alors que va faire le gouvernement dans les semaines à venir Est-ce qu'ils vont véritablement prendre la mesure de la crise qui vient, des manifestations ben, Je pense que oui, parce qu'ils ont déjà pris une mesure assez exceptionnelle. Ils sont venus à pied <laughs> au Conseil des ministres hier. Bon, ils sont venus à pied. Je pense que s'il y a des mouvements sociaux, ils se mettront à courir très rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à diffuser sur les réseaux sociaux et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.